Amis terriens, bonjour, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler fertilisation des sols, plutôt une fertilisation express. Ce que nous avons expérimenté ici, de nombreux jardiniers le tentent aussi. C'est une façon très efficace de se débarrasser des mauvaises herbes et de rendre un sol fertile très rapidement. En l'espace de 3 mois, vous pouvez cultiver sur presque tous les sols. La première étape, c'est la tonte. Vous tondez. Ensuite, vous apportez du compost de déchets verts. Compost de déchets verts, vous pouvez vous en procurer facilement auprès de votre communauté de communes, à la déchetterie ou à la compostière. Et c'est tout à fait compatible avec l'agriculture biologique. L'avantage de ce compost végétal, c'est qu'il ne contient pas de germes du fait de sa fermentation. Voilà, pas de mauvaises herbes non plus. Voilà, on peut y aller presque les yeux fermés. On étale ça donc sur une couche de 20 à 30 cm. Par-dessus, on rajoute du fumier pour nourrir encore un petit peu plus ce mixte. On laisse passer une ou deux pluies et on couvre avec une toile tissée, comme nous avons juste derrière. La toile tissée permet d'éviter que des oiseaux farceurs nous jettent quelques graines sur nos tas de compost qui feraient germer de mauvaises herbes. Voilà, on couvre tout ça pendant 3 mois. Et puis au moment de minimum 3 mois, et puis au moment de mettre en culture, vous retirez cette bâche et puis vous n'avez plus qu'à cultiver. Alors ce qui est super agréable, donc du coup, c'est que ça préserve votre sol est nourri, votre sol est beaucoup moins sec, ça préserve l'humidité du sol. Et puis, petit plus, quand vous cultivez, vous n'êtes pas envahi de mauvaises herbes sur toutes nos planches de culture. Et là, on a pu le tester grandeur nature là sur ces dernières semaines où il a quand même fait pluie, soleil en permanence. Donc les herbes, ça poussait dans tous les sens. Et bien, sauf sur nos parcelles de culture. Voilà. Donc, n'hésitez pas à tenter le truc, à nous dire ce que vous en pensez, et puis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut, ciao!